Plongé dans l'art graphique depuis son plus jeune âge, Mambundu Mbina Jean-Aimé, alias Masta, excelle dans l'impression artisanale, surtout support imprimable. C'est dans cet atelier de fortune au carrefour B2 à Libreville, capitale du Gabon, que l'artiste crée ses plus belles œuvres depuis plus de 30 ans. Du dessin à la reprographie, en passant par la création de banderoles et autres panneaux, Masta mélange aisément les couleurs. Aujourd'hui, il estime être un artiste complet. Nous exerçons dans l'art plastique. En fait, dans l'art plastique, contient de toutes sortes de supports que vous pouvez retrouver, par exemple, là-dedans. On fait des montages des clichés. Nous travaillons sur des supports de ce qu'on appelle des maquettes. Nous avons encore des montages en découpage, donc qui permettent sur du papier, qu'on permet de passer l'impression sur toutes sortes des panneaux, comme les panneaux que vous voyez fixés juste à côté de mon mur, là. Et nous faisons encore des mises en clichés, donc c'est ce qu'on appelle des films. Nous réalisons des films pour faire des montages sur des cadres. Malgré les difficultés rencontrées dans l'exercice de son art, Masta prend plaisir à faire ce qu'il aime par-dessus tout. Pour les usagers, un simple coup d'œil sur le travail de cet artiste autodidacte et le choix est très vite fait. Je suis venue récupérer des polos que j'ai déposés chez Masta. Je l'ai choisi à cause de son style, surtout à cause de la pancarte là. Ce qui m'a attiré vers lui ici pour déposer les t-shirts. Dans l'ensemble, oui, je suis satisfaite. La quarantaine révolue, Masta rêve d'agrandir sa structure, la moderniser, mais surtout en faire un pôle de formation pour les jeunes talents. Objectif, faire de l'art une discipline respectée au même titre que la science ou les mathématiques.